On est en train d'aller vers notre 8e heure de prière. Oui, pasteur, Hein? Oui, c'est comme ça. Quand la grâce même est assise ici, c'est comme ça que ça se passe. Je n'ai rien Amen. donné. Oh. La grâce de Dieu là, c'est tombée sur moi. C'est tombée sur toi. Amen, pasteur, Oui, amen, amen. parce que quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Tu vois ça? J'ai vu. C'est ça, tu as bien fait. Tu as bien fait. Quand tu veux aller en voyage comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu confies ton voyage d'abord. Si tu ne peux pas te déplacer toi-même, tu appelles comme tu as fait là. Ta mère spirituelle doit d'abord prendre, récupérer ce voyage-là pour donner ça. Ta mère spirituelle doit. C'est-à-dire, moi je suis la pastoresse des Bobanou vert fumé. La sagacité n'attend point Jésus. C'est-à-dire, à faire des prières, là, je suis dedans, ce n'est pas aujourd'hui. Toi-même, tu sais. Hein? C'est ça. Je sais, pasteur, je La sais. pastoresse doit d'abord récupérer et confier à l'Éternel. Donc tu as bien fait. Tu as bien fait. Et j'ai vu aussi dans les registres que tu es très bien, tu es fréquent dans ta dîme. Mais il faut monter un peu parce que ça fait au moins 5 ans. Toi, toute ta dîme, tu donnes ces 500. Il faut monter un peu au niveau de la dîme aussi. Même si tu es là-bas, le voyage ne doit pas t'empêcher de payer ta dîme. Tu vois ça? Le voyage, voilà. Quand ça vient dans ça, là, faut vite répondre amen, amen, là. Parce que je sens ton amen un peu rocambolant. C'est un peu lent. Tu vois ça? Amen, pasteur, Voilà. je reçois. Voilà. C'est comme ça aussi, je vous ai toujours dit. Tout ce qui s'obtient par la prière se concerne par la prière. Ça veut dire que quand tu Amen, viens dans pasteur. le pays là-bas, 4 mois ne doivent pas te trouver. Déjà, 2 mois, 2 mois et demi, tu dois me faire venir, moi, ta mère spirituelle aussi. Tu vois ça? Ça tombe bon, pasteur, ça Hein? tombe très Tu bien. dois me faire venir, moi, ta mère spirituelle aussi. Parce que c'est là que je serai en train d'intercéder pour toi. Je serai en train de prier pour toi. Parce que l'ennemi peut se manifester là-bas. Tu vois un peu? Hein? En effet. Voilà, donc, on savait si on est en train de prier, même je ne t'ai pas encore demandé. C'est visa, c'est pour visa de quel pays on est en train de prier comme ça. Ah, pasteur, je vais en Afghanistan, hein, pasteur. C'est pour visa de où on est en train de prier, tu dis. Afghanistan, pasteur. Afghanistan de Monaco ou bien Afghanistan de Afghanistan là? Non, Afghanistan, même là, là où il y a la guerre là même. Frère Et tout à Paul, l'heure, frère Paul, c'est non, pour. pasteur, un instant, pasteur, vous m'avez proposé de venir avec moi. J'ai été plus que content parce que je vais m'enrôler dans l'armée. Et comme il y a assez de guerre là-bas, vous serez mon bouclier sur le champ de bataille. Vous voyez? C'est ça. Je vois un peu. Tu sais, frère Paul, quand je voulais faire ouvrir mon ministère là, on m'a dit que l'ennemi va se révéler à moi dans l'exercice de ma fonction. Je ne savais pas que c'était toi. Frère Paul, je ne savais pas que c'était toi. Tu te tais. Faut pas, tu vas m'énerver. Ne réveille pas la lionne qui sommeille en moi. Je peux sauter. Je peux sauter à travers le téléphone pour te têter. Tu peux sauter dans le téléphone pour te têter. Ça va pas durer ici. Hein? Hey, pasteur. Tu t'en vas en Afghanistan et puis tu. Mais tout prier, on est en train de faire là. Prier 6h30 pour avoir visa d'Afghanistan. Ça là même, ils sont en train de partager ça. Frère Paul, visa d'Afghanistan là, ils sont en train de partager. C'est eux-mêmes qui payent les gens pour venir vivre là-bas. Mais vous l'avez dit, J'ai dit vous serez quoi? mon bouclier contre les ennemis, les armes, les bombes, les mines. C'est moi, je serai ton bouclier contre les armes, les bombes, les mines. Frère Paul, si tu as dit ça encore, j'enlève ma perruque pour sauter sur toi. J'enlève ma perruque pour sauter sur toi, l'âme pleine de grâce. Pourquoi? Pourquoi? Et puis tout ça, même l'eau, tu es radié de l'église. Tu es radié de l'église et j'efface ton nom du paradis. J'efface ton nom sur la liste. Calmez-vous, pasteur, Ah, 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 calmez-vous. ah, ah, ah. Ou bien
c'est parce que depuis je parle, je n'agis pas là que tu es encore en train de me parler. C'est parce que je n'agis pas que tu es en train de me parler. Coupe le téléphone. Mon fils.